Alors, bonjour. Avant toute chose, si le contenu de ma chaîne vous intéresse, si ce n'est déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite, enfin la vignette, pour vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous présente Pop Pop, édité par Minipus en 1985, pour les Thomson TO7, mais pas les TO770, ça ne marche pas, que pour TO7 et MO5. Alors, Minipus, c'est un clone de Moon Patrol, un célèbre jeu d'arcade. En fait, vous interprétez un buggy qui est sur la Lune et qui doit avancer en évitant les obstacles et en tirant sur les ennemis en se protégeant. On a différentes options, hein, donc on va le voir. Alors, pour redémarrer le jeu, c'est un peu compliqué. On doit aller dans le basique et on doit taper l'ODEM. Ça marche pas. Démarrage à froid. Hop, je refais l'ODEM. Voilà. J'avais pas rechargé la cassette. Donc ça se joue à manette ou... Ça se joue à manette ou clavier. Alors le bouton de tir, ça permet de tirer sur les ennemis. Monter en haut, ça permet de s'élever. S'abaisser, ça permet d'ouvrir un écran protecteur, mais on n'en a pas besoin au début. Et puis voilà, alors on accélère, on ralentit. Voilà. Donc vous voyez, il y a un scrolling horizontal qui est plutôt pas mal foutu. C'est un jeu de 1985, mais bon, après, c'est vrai qu'on peut faire mieux sur Thomson au niveau graphisme. Vous voyez, j'évite les obstacles. Alors vous voyez, la flèche en bas, ça permet de... Alors je perds l'énergie quand je me surélève en fait. Et comment je fais pour récupérer l'énergie? Ben, je vais là-dessus. Hop. Et après, je me relève à nouveau, et voilà. Les bandes de fuel, ça permet de se recharger en énergie. Et j'ai des points à chaque fois que j'élimine un ennemi, que je suis sur une bande de fuel. Ou que j'évite des obstacles. Alors je peux les détruire aussi les obstacles apparemment. D'après ce que j'ai compris. Non, je peux pas les détruire. Donc tous les 10 000 points, on a... Enfin tous les 9 999 points, on a... Voyez, je me recharge en fuel. Donc c'est un jeu qui est assez basique. Enfin qui est... Enfin c'est un clone de Moon Patrol, hein, donc... Au début, ça a l'air assez simpliste. Alors, je peux tirer. Ah. Ça se joue assez bien, en fait. Zut. Y a pas trop de... Raté. Ah, bah zut alors. Là, il y a beaucoup d'obstacles, là. Faut que je fasse gaffe, que je perde pas trop d'énergie. Quand je me surélève, en fait, je perds de l'énergie. Alors là, j'ai obligé de me surélever quelques instants. J'ai pas trop de points pour l'instant, faut que j'en ai d'autres. Hein, zut. Il y a pourtant beaucoup d'ennemis, là, pourquoi j'arrive pas à les avoir? Faut pas se mélanger entre le bouton de tir et... Ah, moi je devrais l'avoir celui-là, là. Voilà. 1815, bon. Il me faut une réserve de fuel, là, parce que j'ai plus trop de trucs. Il n'y a plus trop d'obstacles, là, c'est marrant. Alors je sais pas s'il y a d'autres niveaux, hein, mais pour l'instant, hop. Enfin le jeu je trouve assez sympa, c'est assez original. Hop. Là je perds beaucoup d'énergie à faire de... Est-ce que je peux aller plus vite? Non, je peux pas aller plus vite. Enfin le scrolling est quand même pas mal, hein. Bon, c'est en 1985, mais bon, c'est vrai que ça aurait pu être mieux. En tout cas, c'est de l'assembleur, c'est plutôt pas mal. Mais enfin, ça se déplace de mode caractère par caractère, en fait. Donc voilà, c'est pas non plus... Ah bah tiens!
Ah, je crois que j'avais deux missiles. Ça aurait été sympa s'il y avait des options comme deux missiles, enfin des missiles rapides, tout ça, enfin bon bref. Les avoir. Si on a, il y a beaucoup d'obstacles, faut que j'évite, mais j'ai suffisamment de réserve là, donc c'est bon. Hop. Apparemment, je peux pas dépasser une certaine réserve d'énergie. Hein. Bon, est-ce que je vais réussir à les avoir ou pas? En tout cas, j'ai pas perdu. Oui, j'ai encore 3 vies. Vous avez vu en bas les 3 petits chariots là? Ah mince! C'est que j'en parle pour. Ah zut! Bon, on va essayer d'être plus prudent là. Alors pourquoi ça ralentit là? Ah mince! Encore battu. Voilà, c'était Pop Pop sur Infogrames, sur de Minipus pour les Thomson et les MO5 et TO7. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.